Bienvenue dans Subi World. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 14. Je suis en route, on est le 17 août. Cet épisode attaque super tôt parce qu'en fait, on va chercher la moto chez CBO dès aujourd'hui et on va récupérer une 350 Beta RR. On est aidé pour cette épreuve par CBO et par Daffy. Michelin nous a envoyé beaucoup de pneus et des bibes. Les 24 heures tout terrain, ça commence dès maintenant. On se retrouve chez CBO. Ça part de là. Ça part de là. Le bolide. Il va y avoir les clés pour le contact quelque part. Il y a de l'essence ? Oui, oui. Sinon, on la pousse. Hein. On n'est pas rendu. Si on commence comme ça, c'est maintenant. C'est dur, hein, si on se retrouve sans lumière là, à l'autre bout de la forêt. Si on est déjà avance un peu. Si on se retrouve sans lumière. Bon, changement de moto. La liste, elle est longue comme ça. La liste. Compresseur arrière toléré. Compresseur. Faut prendre extincteur aussi. Ah ouais. Extincteur. Moi j'en ai un, mais il est permis. Moi j'en ai un. J'ai extincteur. J'ai extincteur à eau et à air. Alors regarde. Ça c'est pour la poussière. C'est pour la poussière. Putain, on va y voir comme en plein jour. On va le voir le panneau fluo. Regardez derrière si c'est pas. Non, ça c'est. Il y en a, Cam, fais voir celui-là. On a tous compté les uns sur les autres. Comme une équipe en fait. Exactement. Et c'est ça l'esprit d'équipe. Le téléphone il va sonner. Il va y avoir dit Mathis, tu as dit quoi dans la maison. Il est venu avec un colis. C'est chaud. L'avantage c'est qu'il peut se passer un truc, on se met à 10 sur la moto, je peux te dire qu'en 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais, Cam? Eh B. Non mais. Eh B. Laisse-moi faire ce que je préfère. Eh B. Voilà. Ah bonne hein. Ah, il nous fallait bien des pièces factory qui brillent hein, sur la moto. Hein. Non, quand même. Là, ça. Tu sais, tu sens la force des comptes venir en tac. Ah, on laisse Mathis repartir en premier comme tout à l'heure. Ouais. Comme ça, s'il y a une merde sur la moto, oui. C'est le plus costaud. C'est le fusible. Le plus costaud. Putain, t'as dû remonter les suspensions là, toi, dans ta vie. On va montrer. Tu le guides l'amortisseur? Okay. Bon, bah, je vais passer un petit de suite comme ça. Bam. C'est un démontage rapide, c'est un enduro. Tu colles pas les poignets exprès pour ça. Tu peux filmer s'il te plaît? Moi je tire le patin. Ouais, c'est top. On a une belle équipe. Les là. Mecs qui se mettent à faire des choses quand en fait ça filme. Trois nuits les mecs. Je vois bien qu'elle n'est pas plus près. Bah j'ai voilà. Lancé. Il l'a fait. Ça te met en confiance sur toi, ça c'est clair, ouais. T'es plus engagé. T'as vu ça Allez Mathis, si t'en vois bien, ça dit pour faire une série derrière. Bon, ça y est, on a fini les testings pour ces 24 heures tout terrain. C'était bref, et alors il y en a qui préparent ça depuis des mois et des mois. Nous on a fait 20 minutes de moto chacun avec la moto.
Ça sera largement suffisant pour se faire plaisir. Bon, on est à exactement, à presque à la minute près, à une semaine du départ des 24 heures. Et on est en Espagne pour un super cross. Donc ça, c'est des petits bonus sur cet épisode pour que vous voyez ce qui se passe une semaine avant. C'est le siège. Oh, je suis tibia là. Oh la vache. Oh, j'ai vu ça tout à l'heure. Comment pas, plus du tout comme avant. Je sais pas ce qui se passe, je te reconnais pas. Je sais pas quoi je suis. Et ça fait clic, 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 pom, pom, pom. Je prends ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisant. Alors, nous sommes à 2h du Supercross de Guijuelo. Voilà le paddock. Heureusement qu'il y a Anthony Bourdon là-bas. Le contrôle des licences à 18h40, les essais à 19h, les qualifs, les chronos à 20h. Et qu'après c'est 22h et minuit et demi la finale. Nickel. De la Vichy catalane. Messing around, calling all you freaks and nerds. You're just missing what you want. My brother's going down the drain. My sister's living the dream. But everybody's singing along. It's okay, we'll all soon be gone. Non mais t'as vu la taille du lit? Mais pas lui, c'est fermé moi. T'es toi? Je te jure. Mais laquelle des? Les deux portes sont fermées? Les deux portes sont fermées. Arrête. Le sketch n'est pas fini. Là, je vais retourner à l'accueil et lui demander. Je descends au garage. Voilà, on voit mieux ce qu'on avait comme habitation. 50€ la nuit. Vive l'Espagne. Bouh, tricheur, bouh, tricheur, bouh, bouh, bouh. Lundi 22, on arrive à une course en Espagne, la deuxième. Donc la première, volontairement, j'ai pas filmé tout ce qui se passait, hein, parce qu'on n'est pas là pour un épisode sur le Supercross. J'ai fait deuxième derrière Anthony Bourdon. Grosse bagarre avec des attardés plus qu'avec Anthony, parce que j'étais revenu et puis je me suis emplâtré dans un attardé qu'avec Calais, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Deuxième, c'est très bien. Et là, on est à Sarriego. Donc la course est bien aujourd'hui. Hein. Le paddock est vide. Contrôle à 16h, qualif à 17, manche 1, 18, 19 et 20h pour les trois manches. On va faire de la prairie. Parfait pour l'arme week-end. Alors cette course, c'est Mika Musquin qui me l'a un petit peu fait découvrir. Je suis venu là pour la première fois il y a 10 ans bientôt. Et voilà, ici, c'est chez Mika. Bienvenue chez moi. Il faut savoir que la première fois que je suis venu, c'est que je suis arrivé vraiment tôt. Et ils plantent les piquets à peut-être 10 ou 11 heures du matin, le jour de la course. Tout le temps la même date. C'est férié ici ou c'est une fête de village. Et voilà l'un des trois sauts de la journée. Attention à la voiture! Sautez pas! On saute au-dessus des voitures. Bon, à gauche là-bas. Los macarrones y las sardinas. Mais il y a quand même un mélange entre terre et mer où ils ont des goûts de cochon sur des poissons. Ça, c'est du jamais vu ça. Bah, elle a disparu la moto. Mais non. Allez.
expérience prairie réussie. Deux victoires de manche sur deux. Il y avait une troisième, elle a été annulée à cause d'une chute à mi-manche. Je suis passé à côté de la correctionnelle, il y a un gars qui a vraiment cross-jumpé de fou, il a whippé. Et ça aurait pu être catastrophique. J'espère qu'il va bien, surtout. Et là, il est 20h30. On plie bagage. Non mais on est bien au même endroit de la course là, on n'est pas parti. On va s'enjailler. Yeah. C'est pour Soup's World ça. Exactement. Allez les gars, salut les gars. Alors la spécialité d'ici c'est le cidre. Ils vendent ça que par bouteille. La cidre c'est bien. Et ils font des sandwichs de malade. Profesional. Sí, yo te grabo. ¿Cómo se graba? En Fred Steam. Il nous a baisé la bouteille, le collègue. A tope. Todo. Una otra per Anthony. Tan. Voilà. Un bocadillo de... Chantalere. Chantalere. Es la francesa. Ayuntamiento de Jiménez otorga este trofeo y lo entrega al alcalde de Torrevieja y se llama Adrián Moreno. Supercampeón en Sariego 2022, Cedric Sureiras. Trofeo tomado por el favor Gil Musso también, el podio absoluto. Mercredi 23, non, mardi 23, merde. Départ demain. Déjà qu'on est à la bourse, tu nous enlèves des jours en plus. Ouais. Là, on serait pas bien sur la bon, l'identique de notre moto est disponible chez CBO au prix de 153 euros par mois. Merci CBO, merci Daffy. Bon allez, attention. Le monstre. Fait tout le temps avec toi et puis moi je suis tout le temps sur cam. Et l'expérience du sable, enfin. L'organisation c'est pas en supercross on n'a pas tout ça, tu vois. Si tu veux filmer de nuit. Ce qui serait beau c'est que quand on arrive là-bas, ça soit exactement pareil quand même. Moi c'est plus ça sur les virages à gauche que j'ai un petit doute quand même. Il est bientôt 21h. Là il y a les affaires qui ne vont pas aux 24h. Et là-bas, c'est les affaires qui vont 24 heures. Je vais poser la remorque sur Bordeaux, chez Adrien Lopez ou Mika Musquin, je sais pas, suivant l'itinéraire qui me convient le mieux au retour surtout. Encore du taf. Bon, on se retrouve demain. Il est 8h. C'est le grand départ. Il y a tout à atteler. J'ai les yeux collés encore, mais ça va, tout est prêt. On passe chez Bud. Je vais récupérer ma future Kawasaki pour le championnat du monde. Seulement le championnat du monde pour 2022, pour ceux qui posaient la question. Ma nouvelle demi-maison. Direction Mika Musquin. Il est 9h39. J'ai 9 minutes de retard sur mon programme, mais c'est pas très très grave. Et comme dans tous les cas, en parlant avec Mika, je vais facilement perdre 42 minutes. Donc, que c'est pas trop grave si j'arrive avec 9 de retard au final. T'as fait un doigt là, t'as fait un doigt. Deuxième pit stop de l'inside chez Mika. C'est Cédric, la femme de la maison. Ça va ?
Ça va, hein? Hola, campeón. Ça va? Oui, explique. Non, mais là, mais explique l'enchaînement, ça fait quoi? Serre d'essayer de faire derrière table, 3, 3 sur table. T'as même pas fini l'enchaînement. Filme quoi, la déco? C'est quoi ce tableau d'ailleurs? Ah oui, il était pas sûr. Ben, je disais, je voulais peindre. Un sacré relief. Je voulais peindre le mur. Vu que je sais pas de quelle couleur je veux le peindre. Putain, on appelle ça comment là? Quand on cherche les couleurs. Un nuancier. Voilà, t'as mis le nuancier au mur. Allez. Allez. C'est sous-bois. Je vous présente Los Fusiblos. Maxime Escoffier du Christophe. Tout top. Ouais. Ouais, maintenant que tu fais de l'enduro. Et ouais, vous allez voir. Et alors, tu es avec qui? Avec Greg Aranda et Thiel de Clercq, c'est ça? J'ai une équipe encore mieux. Ok. Ah. C'est un bon temps pour les Bretons, ça. On remercie aussi le sponsor de Mathis qui nous a fait des roues en express quand même. La roue est neuve. Mais après, en montant la roue, qui a fait le montage? On a tapé des racines en montant la roue. C'est toi, ça, Mathis, non? Je t'ai aidé. Il a laissé un bout de bois aussi. Macho, macho man. Ma gueule. Mathis, t'as raison, elle est pas dans le grand là, il faut... Vas-y, viens. Ouais. J'ai compris pourquoi t'en suis. Appuie sur le bouton. Non, c'est bon, le reste, vous faites. Si Moto Memes, il nous regarde, c'est le célèbre moment où il y a Dédé de la télé qui arrive. Voilà. Et à vous démarrer votre machine, les gars. Oui. Ah ouais. 115 la moto? Ah, vous avez... ouais, combien? 115? Bah, mais c'est pas possible, ma moto de SX elle fait 114, elle a 115. L'équipage 23? C'est ça, numéro 23. La roue, dépêche-toi! Jérémy, ta roue! La roue, on passera dans le. Pour ils te mettre la pression. Ne vous inquiétez pas, mon équipe elle arrive et après ça va, ça va envoyer du lourd. L'échappement il est bouché. Mais pour de vrai, ils ont dit non. Oh, on roule avec un 3,5 taille. T'as réellement fait le Dakar? Oh, moi je les verrai passer, moi je suis mort. Ah bah oui, mais donc on se verra. Y'a rien qui va. Celle-là elle a fait Paris-Brest. Qu'est-ce qui se passe? Mais ton casque, c'est pas la même épreuve là. Un casque. Nous on est porteur d'eau en fait. On est assistant technique. Et pendant qu'il y en a qui parlent. Il y en a qui sont au fond du camion. Il y en a qui sont punis, voilà. On avait un truc à te demander dans le sous-board avec Max. Ce qui paraît, t'as essayé de le sortir dans les hoops à Bud là, c'est vrai? On aimerait clarifier la situation. Ce mec là. J'ai failli laisser la finale non, quand même. Ça s'appelle une chicane mobile. À ma geste, non mais. Une chicane avait... complet. Ouais, il y avait Greg derrière. Fallait qu'il gagne, Greg. Il y en a un? Ouais. C'est qui? Il y a Cam. Ah, mais Cam il est dedans. Ah, bah il attend depuis tout à l'heure. Dans la nuit là, à 2h du matin. T'as fait quoi un peu avec le coussin? T'as voulu nous abattre? Non mais les gars, déjà ils sont tellement à l'heure qu'ils arrivent à 2h30 du matin dans ma chambre. Donc forcément, quand ils ont ouvert, j'ai tourné, j'ai pris mon coussin. Et j'allais te casser la gueule. Ah ben là. Oui, la bêta. Je me demande si elle va finir les 24 heures. T'es jaloux, c'est tout. Je vous inviterai à mon stand après. Ouais. Présentation du bolide. Bah, y'a rien. Non, mais au passage, quand même, un grand merci à CBO et David de nous permettre de faire cette course. Un sang remonte une jante qui va pas nous servir. D'accord. Du coup, c'est quoi ton taf, Mathis? Pas ranger les bibles. Ben moi aussi. Bah chez nous ça match. Non. 6h, 7h15. C'est Cam. Yes, qui a ravitaille. Allez, t'as encore 3 chances. Yes, qui a ravitaille. Ah ouais, mais il y a double trajectoire. Oh, t'oublies un peu de nuit là. Ils ont mis un rocher pour sauter plus haut. Tu veux que je t'explique comment gagner 2 ou 3 places? Vas-y. Allez, tu vois
Allez, trois places de gagner. On a dit qu'on partirait pas en tête alors. Juste pour pas qu'on nous traite de meurtrier. C'était une blague, hein. Allez. Hein. La loterie. Ouais. Oui. Si on est complètement mort avant une heure. Rentrer. Ouais, voilà, on est d'accord. Tu tires la sonnette d'alarme, tu lèves le bras. Non mais c'est ça. Un qui met l'essence et un qui fait le filtre. Il y en a un, il écoute pas là-bas. Ouais. Tu veux pas lui confisquer le téléphone, Eric, parce que là ça commence à être. On était 3,5. Moi franchement je serais son père, je lui confisquerais le téléphone. Oh, ouais. Il y aura une personne au virage de stand. Ouais, celui qui oublie de tout tourner à droite. Hein, j'avais fait une endurance justement avec Yannick Favre, tu vois. On lui a demandé de faire 4 tours, il en a fait 3 parce qu'il sait pas compter jusqu'à. Ah il est arrivé, j'avais pas le casque, tu fais quoi gros? Et ouais, dédicace à Yannick Favre là. Vers votre destination. Vous pouvez nous ramener? Ouais, je prends deux autostoppers là. Ça va et toi? Ça va. Salut. Ok. T'as le Covid? Avec son vélo là. Sou, ça pense quoi? Deux. Trois ou quatre? Dans la série des groupes. Tu m'as dit de mettre la carte. Là, je suis un peu... Beta 350, donc il faut inventer une 7, je pense. Excuse-moi. On s'occupe. Je suis dans les. Tu vois quoi? Tu peux les retourner pour. Hey, pourquoi pour on leur fait des stickers? T'es pas content? Pas grave, si je suis refait moi. Soude, les gars! Soude! On va avoir besoin de toi pour tailler la plaque. Quand tu mets la lumière blanche, ça te fait comme un mur devant toi et tu vois rien. Ils disent qu'il va y avoir de la poussière. En gros, ouais. Et tu verrais les ornières qu'il y a déjà. C'est vrai? Ouais. Des tas de poussière avec les vieilles motos déjà. Depuis la semaine dernière à Jean, on a pas mal échangé avec les gars. On a pris la décision pour une question d'efficacité de repos, de diviser, j'aime pas le terme, mais de scinder l'équipe en deux parties, que ce soit au niveau ravitos et pilote. Donc il y a une équipe qui va être composée de Peter et Ced, et une autre de Cam et notre breton préféré. Ok. Donc au niveau ravitos, il y a Sofia, Lucas et JC. Donc vous serez systématiquement couplés ensemble. De l'ordre, je pense que cet après-midi pour les essais vous faites la même chose, respectez le même ordre, je sais pas si vous en avez parlé. S'il y a un levier, allez, quoi, on part sur 4 tours. On part sur 4 tours. Ça vous gérez vous, on est en course. Ouais, 4 tours. Non, on va se mettre là-bas au panneautage ici. Ouais. Et puis ben, on vous suit. C'est bon. Ça c'est vous qui gérez. C'est toi qui tiens la moto, c'est toi qui fais l'essence. Alors nous on s'est mis synchro par exemple. Mathis va rentrer, moi je tiens la moto. D'accord. Ced met l'essence. Ouais. Et Jo il s'occupe du filtre. Donc Lucas, JC et Sofa. Moi je vous conseille c'est la même. Hein. Comme ça qui est défectueux, d'essayer de prévenir les autres pilotages, comme ça Toki Wuki nous prévient et comme ça nous on peut se préparer à sauter sur le. D'accord, on change de filtre. Ça va. La soupe. Ça paraît con, mais qu'il y ait tout le temps au moins une personne ici et une personne là-bas au panotage. On va mettre un Taki Walki. Allez-y, cool. Il y a 24 heures demain à faire. L'idéal, c'est de ne pas avoir de blessés dès le premier tour. Ranger en fonction des essais chronométrés du matin. Voilà, dans l'ordre, tout simplement. Il y aura un jalon jaune qui vous signalera votre emplacement. Voilà. Repensez à bien sangler votre casque une fois que vous faites un ravitaillement la nuit. Ça peut paraître bête. Salut. Bonne course. Salut, je me suis dit. Ça se voit que tu es sur la pointe des pieds, Eric. Alors, par contre, t'aurais pu mettre une casquette, ça fait un reflet de merde. Désolé, si tu as une casquette Coca ou Orangina, je la mets. Je suis comme si c'était en course.
d'accord, à 4h du mat avec les yeux collés, ça fait ça. Qu'est-ce que ça fait à 4h du mat, les yeux collés, ça fait ça. Tu pars comme ça. Le tableau de bord que ça fait là, c'est marrant. Toi t'as l'habitude, moi là c'est... Encore t'as tout qui tourne. Ça bascule pas la moto quand c'est... Non, mais en rallye quand tu tournes t'as tout qui reste droit de... L'entrée sur le circuit là-bas, en bas des stands. Pose la moto et rentre à pied. Bitou, on t'aime. C'est pas moi qui ai balancé. Le fautif, c'est... C'est Sextol. C'est Steve. C'est Marianne, Marianne Chapman. Non. Quoi, ça te fait pas bizarre de rouler sans? Si, avant. Hein, t'as toujours roulé avec. Arrête, elle ne crame pas. C'est prêt? Yes. Yes, I'm fucking ready. Baisse ta tête. Oh, mais non, attends, rebaisse. On va tuer la moto. Faut pas prendre un taquet du tout. Hein. C'est même pas ta place. C'est comme du flèche-flèche. Par contre, désolé, mais les mécanos, vous allez en bouffer la bonne. C'est pas grave, il y a tout ce qu'il faut. Bah, non, si on a la meilleure moto, mais on a la meilleure équipe, ça c'est sûr. Ah oui, oui, le panneau, tu le vois, oui. Fais gaffe grave dans le fèche-fèche, il y a des trous cassants de ouf. Ouais. J'ai vu que la fourche elle était dure et je pense que elle est sèche sur le tout début. Quand ça va vite, elle travaille trop bas. Parce que le début de course, il n'y a pas de progressivité. Tu sais, quand t'as recoupé dans l'herbe fraîche, mais il y avait des cailloux. Et dans ma tête, je me dis putain, mais ça doit glisser quand même là. Ça arrive. Mais ça me l'a pas fait au premier tour, je disais à Cam, c'est peut-être qu'elle a fait de l'air. Roulé. Un relais. Là, ça fait combien de temps qu'on est parti? Ça fait une heure. Dedans, ouais, il est nickel. Et les propos. Quoi, hein? Pourquoi il sort? Ah, on t'a le temps, Vincent. Pourquoi il sort? Bon, parce qu'il a déjà... Il économise la moto. Il en peut plus. Ah, ah, tu avais nous ou pas toi? Oh, tu vas voir. Arrête. Chase Sexton qui répond à ma story. Avec le numéro 23. Allez. Hein. Comment ça se passe? Olé! Ok, pardon. Voilà. Pardon. Si je suis validé par Sexton. Voilà. Moi, en général, je fais 3. Alan, c'est le président ou pas? Tu vas où comme ça? Ça fait des agrafes parce qu'on a cassé la selle.
Et du coup, ben, ça ferme dans 9 minutes. On va voir si. On va voir si on a de la chance, si on a de bonnes agrafes. Bonjour. J'ai envoyé un coup de fil pour des agrafes. Oui. Est-ce que tu l'as vu le film de Freddy Mercure? Ah ouais. Il est incroyable. Moi, c'est un de mes artistes préférés. Freddy Mercure de Wizard. Ouais, c'est beau. Bon, ah, Freddy Mercure. Mais c'est à froid, tu peux la garder. On part aux essais de nuit, là, il fait jour, donc concentré, d'accord. Regarde, regarde. On éclaire un peu plus loin, ça, ça va éclairer devant, et ça, ça va éclairer loin. La BTR, les gars. C'est vraiment dangereux, mets-toi vraiment debout et assure le coup, parce que il y a vraiment moyen de se faire mal. Dans les bois, il y a des paras que tu vois pas dans la peur. C'est bien. Ça va bouger, hein. La force va mieux. Ah, mais attends, là je me régale comparé à tout à l'heure. La force. Non, non. N'exagérons rien, mais. Je te jure, comme dire, en direct, tu es sur la peuple, la neige, tu vois, bah. Même l'avant, je vais faire presque celui-là dans ces conditions. Est-ce que parce que les phares, c'est mieux, ouais, ouais, bah moi, j'ai le premier, là. Ah ouais. Sauf quand tu cadres, tu vois le ciel. Je ne voyais pas du tout. Ah, moi, je suis sûr qu'il a pas de ce. L'autre côté de la piste, hein, c'est. J'ai pas. Attends, on va voir les plaquettes. Pour profiter de ce dernier moment, c'est le dernier moment de notre tour, on est tous les quatre. Parce qu'après, il y aura toujours un qui sera dehors. Je te préviens, ça, tu le mets pas. Ah oh, bah, tu sais très bien. Alors, ça, c'est Sophia. Et ça, c'est moi. Sophia, moi. Un souci, là. Ouvrez, police. Non. Les étirements, sache. C'est toi qui fais le chrono? Ouais, on est parti. Ouais. Tu vois, tu vois quand tu fais un chrono à l'élite, que tu te mets à 170%, ben la moitié de ça en fait. Ok, je vais y faire. Voilà. Mathis, il vient d'ouvrir un mix Unleashed, il a la tenue de début de jeu là. Nouvelle carrière entamée. On a les mêmes coups de pression. Un débrief. Ah non, je me suis fait laver le cul. Non, et j'accepte pas. Pas. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, il y a deux modes sur la bêta. Il y a le mode soleil, le mode pluie. Il est parti sur le mode pluie, il l'a pas vu. Et du coup, ben forcément, quand t'es coupé à mi-gaz, c'est pas grave. Oui, mais bon, c'est pas grave. On tourne la page, on repart sur une nouvelle page pour tout le soir. Fonction chrono réalisée ce matin, donc qui permet qu'on vous offre directement de se positionner. Voilà, la pression est en train. Let's go! Yeah.
sponsor? Yes. Sponsor. Yes, it's very good race. Vous voulez voir comment ça se passe la course? Vous voulez voir comment ça se passe? Allez, venez avec moi. c'est une dédicace à Roscoff, arrête. Ouais, exactement, par exemple. Pour réussir à 24h, pour réussir quand même un bon départ, on va tout descendre de son côté, pas seulement la première heure, mais sur les 24. Et puis ça part un petit détail comme ça. 18h on va dire. Et puis ben là je vais faire la sieste. Moi je reprends à 23h. Donc je vais essayer d'être prêt pour 22h pour le dernier relais de Cam. Pour être là au cas où s'il a un souci, pour pouvoir sauter sur la moto. Mais moi mon premier relais c'est 23h. Et je vais rouler avec Peter de nuit jusqu'à 5h du matin. Putain. Dans la montagne.
hasard, c'est un genou à terre. Moi, je t'ai pris de mettre un genou à terre au départ. Voilà. On se trouve. Il y a un endroit un peu chaud. Il y a donc qui a donc équipe 150 de l'année de pilote du motoclub de Romagné donc en catégorie. On revient sur la catégorie Scratch, voire un peu sur cette ligne d'arrivée, numéro 14, donc les écarts entre ces deux mains là. Tu la remets s'il te plaît? Tu as pas pris la sacoche? Non, il veut pas. Ah, c'est vrai, il a voulu, je crois, non? Non, non, ah ouais maintenant, il a dit non. Je vous inviterai à mon stand après. Ça va? C'est... Eh ben, tu sais quoi, je préfère presque la nuit parce que du coup, tu peux pas attaquer dans la poussière. Mais non, c'est cool, je m'attendais à ce que la moto soit beaucoup plus dégradée. En fait, l'embrayage patine pas, il n'y a pas de bruit suspect. Du coup, je croise les doigts, ça... Pour l'instant, ça tient, mais je roule vraiment. Dans ma tête, je me dis, vas-y, balade. Et on verra si ça donne. On verra où ça nous mène, surtout. Non, faire une heure c'est pas gênant, mais je me demande si l'organisation va pouvoir même finir la descente. Mais non, mais personne, tout le monde pense à ce qu'il y a. Faut vraiment faire attention. À la survie de la mécanique, parce que c'est véritablement. 36e équipage 53, Team Moto West Junior. Également 90 tours donc pour l'équipage 23, deuxième équipe 80, l'équipage 51, deuxième équipage 23, de l'ornière et je descends comme ça parce qu'il y avait beaucoup de poussière, je ne voyais rien et d'un coup il y a un caillou qui a pris mon disque, on suppose que c'est ça parce que mon disque était complètement tordu, je suis arrêté, j'ai ouvert la vis de purge avec un, j'ai arrêté un gars avec une sacoche, j'ai ouvert la vis de purge et là ça m'a débloqué le frein parce qu'il était tellement tordu que voilà, ouais, je sais que ça s'arrêtait là, la moto ne démarrait plus. Calmez-le, on lui fait tranquille. Hein. On lui bague la blouse. On l'encourage même pas. Hein. Satisfaction, c'est la double satisfaction. Non, mais c'est un pantalon. Vous voulez pas changer ça? Ça va vraiment être.
L'idée du défi que Camille m'avait proposé de faire ses 24 heures. Bon, j'avais fait des podiums en motocross, en supercross, en enduro et maintenant en endurance 24 heures. Donc c'est vraiment un aboutissement pour moi. C'est, bon, il faut savoir que c'est vraiment un travail d'équipe. On était pas, là, c'est vraiment pas du tout le sport individuel quand on part sur 24 heures si on n'a pas les mécanos, les équipiers, la moto de rouler avec. Voilà, c'est, ça fait partie du sport, je suis sur mes deux pieds. Pourquoi il y a que les miens blancs ? Mais c'est déjà bon. Donc ça, c'est le bac de nettoyage des fils. Légèrement pas profond. Non mais c'est abusé. Voilà, faut plus nous parler de fils. Et puis, je vous dis à la prochaine, à l'épisode 15. Ciao, ciao.